aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera un tuto make-up, le tuto de ce maquillage que je porte actuellement. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! Donc là, je vais venir appliquer mon concealer LA Girl Pro Conceal en teinte expresso sur mes paupières en guise de base. Je vais venir ajouter sur le concealer ma banana powder que vous connaissez certainement toutes, afin de permettre au fard à paupières de tenir plus longtemps. Ensuite, je vais prendre ma palette Sleek au naturel, numéro 1. Je vais choisir une couleur assez orangée que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. De cette même palette, je vais choisir une couleur marron foncé que je vais appliquer dans le creux de mon œil. Il ne faut surtout pas oublier de bien estomper pour éviter que ça fasse un effet paquet sur la paupière. A l'aide d'un pinceau plat, je vais maintenant prendre ma palette Naked 2 et prendre la couleur Snake Bite que je vais appliquer sur les trois quarts de ma paupière mobile. Je choisis maintenant la couleur Busted de la même palette que je vais appliquer sur les un quart restants de la paupière mobile. J'applique par la suite ma base Serum de chez Dior. Elle permet de bien recourber les cils et j'ai aussi appris récemment qu'elle faisait également pousser les cils. On passe maintenant au fond de teint, donc j'ai le Skin Tone Foundation de chez Kiko en teinte 160. Par contre, c'est un fond de teint pas trop couvrant, donc si vous avez des taches, appliquez d'abord de l'anti-cerne sur vos taches. Je préfère étaler ce fond de teint avec un pinceau plutôt qu'un beauty blender parce qu'il est très liquide et le beauty blender absorbe beaucoup de matière. Je viens maintenant appliquer mon concealer de chez LA Girl sur toutes les zones à illuminer, c'est-à-dire les cernes, le menton, au-dessus des lèvres et sur le front. Cette fois-ci, je vais venir estomper à l'aide d'un beauty blender que j'ai humidifié au préalable. Maintenant, je vais venir très légèrement appliquer de la banana powder sur toutes les zones où j'ai appliqué du concealer afin de bien le fixer. J'en applique que très légèrement car je fais un maquillage assez léger. J'insiste bien sur la zone T parce qu'en général, c'est l'endroit où je transpire le plus facilement. Je vais venir appliquer sur mes lèvres un gloss transparent à paillettes que j'ai acheté chez Kiko. En général, je mets pas de gloss, mais là pour ce look, j'avais envie de tester pour voir ce que ça allait donner. Maintenant, on passe au mascara, donc c'est le Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara de chez Kiko. Franchement, il est trop bien. Je vais maintenant prendre la couleur Whiskey de ma palette Naked Smoky Eyes que je vais appliquer au creux de mon œil. Je prends maintenant la couleur Half Baked de la palette Naked 2 que je vais appliquer au coin interne de mes yeux.
J'applique cette même couleur juste en dessous de mes sourcils afin d'illuminer un peu. Je vais maintenant venir appliquer ma poudre No Filter de chez NYX en couleur Deep Golden sur l'ensemble de mon visage. On passe maintenant au highlight, ma partie préférée. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Sephora et c'est la catégorie Colorful. C'est un shimmer en fait, mais je ne sais plus c'est quoi les références exactes. Donc j'en applique un peu sur le bout du nez et sur le nez parce que j'aime bien, je trouve ça fait mignon. Pour finir, je vais venir fixer mon maquillage avec le Master Fix de chez Maybelline. Franchement, je le trouve super bien. Il fait bien tenir le maquillage toute la journée. Je vous le recommande clairement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Gros bisous. J'espère qu'à ce... 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3.